Charlotte et Jean-Charles sont ensemble, mais Jean-Charles regarde aussi d'autres jeunes filles. Elle est belle, Clara. Tu ne trouves pas? Quoi? Qui? Je peux? Non, désolé, Patrick. C'est occupé. Patrick n'aime pas beaucoup Jean-Charles et vice-versa. Patrick a des problèmes en anglais. Écoute, ma mère et ta mère sont collègues et ma mère veut... Enfin, vu que tu as besoin d'aide en anglais et que pour moi l'anglais, ce n'est pas un problème... Tu veux être ma prof d'anglais? Merci, mais... Non. Les parents de Shadia sont très stricts et pour elle, ce n'est pas facile d'être avec Thomas. Mais pourquoi? Je ne suis pas un monstre, moi. Non, Thomas, tu n'es pas un monstre. C'est pas ça, c'est pas toi, mais je ne peux pas sortir avec un garçon. Mmh. 17 sur 20, hein. Bravo. Pas mal pour un futur pro de football, hein. Je comprends presque pas. Et en français? Mais le sujet, le sport et la santé, c'est fait pour toi, non? Maintenant, tu vas avoir une super note en français. Ça, je sais pas. Moi, en tout cas, le sport, c'est ma passion. Mais tu voudrais peut-être faire des études de journalisme un jour? Non. Moi, je veux faire une carrière de footballeur, de professionnel. Je joue en France, en Espagne, en Italie. Et toi, ta note? Moi, comme si, comme ça, 15. C'est très bien, ça aussi. Toi, tu as toujours de bons résultats. Attends, attends. C'est quoi cette affiche? Ce n'est pas si important, Jean-Charles. Ça va aller mieux. C'est un désastre. Je ne comprends pas. Ce n'est pas une catastrophe. Mais si, dis, c'est une catastrophe pour moi. Tu sais bien, j'ai besoin de bonnes notes dans toutes les matières, aussi en français. Enfin, tu n'as pas besoin de pleurer pour ça. Et je ne pleure pas. Je n'ai pas besoin de rire, non? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, j'adore la salsa. J'en fais un peu à mon cours de danse. On y va, toi et moi? Pourquoi pas? Tu peux apprendre avec moi. C'est pas si compliqué. Toi, tu danses si bien qu'on va gagner, c'est sûr. N'est-ce pas, Charlotte? Oh, je sais pas. Et toi, Patrick? Tu danses bien? Tu peux peut-être danser avec un ballon de foot. Intéressant à voir. Allez, Jean-Charles, quand même. Et si je suis aussi bon en danse qu'en français? Tu veux t'inscrire aussi, Patrick? Je ne pense pas. Et toi, Shadia? Arrête, Patrick! Qu'est-ce que tu fais? Les enfants. J'ai faim, moi. Et toi? J'ai faim et j'ai soif. Le déjeuner au lycée, c'est si mauvais. Arrête, Jean-Charles. C'est pas si mauvais que ça. Je vais prendre... Tu as la carte? Mademoiselle, la carte, s'il vous plaît. Monsieur, messieurs, dames. Que voulez-vous? Merci. Je vais prendre... un plat du jour, une quiche, s'il vous plaît, et une salade. Et comme boisson, mademoiselle? Une limonade. Et monsieur? Moi, je vais prendre un steak frites, s'il vous plaît, et comme boisson, un Diabolo Menthe. Très bien. Merci. Explique-moi pourquoi tu as eu seulement 10 sur 20. Oh, ne me parle pas de ça maintenant. Et Loïc, là, qui fait mieux que moi, je ne comprends pas. Il s'appelle Patrick. Oui, Patrick, si tu veux. Enfin, ça me surprend. C'est un coup de chance, c'est sûr. Il n'est peut-être pas si mauvais que ça, Patrick. Voilà, messieurs, dames, la limonade. Merci. Et le Diabolo Menthe. Merci. Dis, tu veux aller au cinéma ce soir? Oui, je veux voir une comédie, je veux rire. Moi, je veux voir une comédie romantique. Il y a un film avec Audrey Tautou au Gaumont. Comment il s'appelle? La délicatesse. Et c'est quoi comme film? Qui en est le metteur en scène? Je ne sais pas, c'est un film assez nouveau. D'accord. Et on va rire? Oui, peut-être qu'on va pleurer. Mais tu as sûrement aimé ça. Voilà, messieurs, dames, la
la quiche salade. Merci. Et pour monsieur, le steak frites. Merci. Bon appétit, messieurs, dames. Bon, alors on dit rendez-vous à 8h? Oui, 8h devant le cinéma Gaumont. Ça a l'air très bon. Bon appétit. Ça va en classe, Shadia? Très bien. Waouh! Ils ont gagné? Quoi? L'OM a gagné 3-0 contre Auxerre. L'OM, c'est quelle équipe de football, ça? Mais maman, l'OM, c'est l'Olympique de Marseille. L'une des meilleures équipes de football en France. Dis, Khaled, tu n'as pas de devoir pour demain? Aujourd'hui, un bon film sur la 3. Un film d'aventure à 20h40 avec Harrison Ford. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup trop de devoirs. Des sciences, de l'anglais. Passe-moi le plateau, s'il te plaît, Shadia. Dis, maman, j'ai besoin de nouveaux vêtements. Surtout d'un nouveau blouson. Il y a des blousons en solde dans un magasin rue Napoléon. Parle avec papa. Allô? Allô, Shadia? Bonjour Thomas, ça va? Ça ne va pas bien, Shadia? Si, mais... Je ne peux pas parler. Mes parents n'acceptent pas que je fréquente des garçons. Oh, pardon. Tu veux venir au cinéma ce soir? Il y a un film romantique. Non, Thomas, c'est pas possible. Je voudrais, mais je ne peux pas. Mais demain après-midi, on se retrouve dans le parc, comme hier? Oui, disons 5 heures. Mais ne me téléphone plus le soir. Ciao, Thomas. Bise. Bise, Shadia. À demain, 5 heures. Mais je ne sais pas, moi. Shadia a 17 ans. Et moi, je ne suis pas avec elle 24 heures sur 24. Si elle voit un garçon, un français, peut-être. Mais je ne sais pas. Enfin. Si je parle à papa? Non, maman. Ne fais pas ça. Ne parle pas à papa.